là-dessus, Vanessa Bardara, qui est une jeune romancière brésilienne, nous emmène dans un petit village totalement loufoque, louvedingue. Et on a deux personnages principaux qui sont Otto et Ada. Ada vient de mourir et Otto se retrouve tout seul. Et Otto est complètement désemparé et va devoir renouer avec tous ses voisins. Et ses voisins sont vraiment des gens tout à fait bizarroïdes et très très amusants. Donc on a un facteur qui chante à tue-tête et qui délivre le courrier toujours au mauvais destinataire, histoire de créer du lien social. Et on se retrouve à écrire des lettres à des correspondants qu'on ne connaît pas, à nouer des nouvelles relations. On se retrouve aussi avec le préparateur en pharmacie, qui lui est un passionné des effets secondaires. Donc à chaque fois qu'il reçoit des nouveaux médicaments, il se précipite sur les notices, il regarde tous les effets secondaires. D'ailleurs, il est un peu triste parce que le village ne compte pas beaucoup d'habitants et il manque un peu de maladies graves parce que comme ça, il aurait pu explorer tout plein de nouveaux effets secondaires. On a aussi une anthropologue qui lutte contre les cafards dans sa maison tout en citant Marcel Mauss, on a une fille qui a des chihuahuas à moitié dingue. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est que Otto, qui est lui-même un amateur de romans policiers, se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. Et on a là une ambiance qui ressemble un petit peu à Qui a tué Harry de Hitchcock, où tout le monde court dans tous les sens pour essayer de dénouer ce mystère. Et le mystère tient aussi dans un autre personnage du roman qui est assez étonnant, qui est un vieux japonais qui atteint d'Alzheimer, ce qui a des effets secondaires aussi tout à fait intéressants. Et excusez, hein, je sais qu'Alzheimer, c'est pas un truc drôle, mais en fait, là, on est quand même dans un roman très, très drôle. Et ce monsieur croit que la Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée, et donc il est en lutte pour l'honneur de l'empereur Hirohito. C'est très, très amusant. Il y a un petit côté Rosa Candida, et elle nous embarque sur 150 pages dans son monde qui est d'un charme tout à fait irrésistible.